Et malgré ses paroles, aucun règne n'est éternel. Non, effectivement, aucun règne n'est éternel. Cela ne fait aucun doute. Toilettes sales, faut aller nettoyer les toilettes. Bah Dark, on salit les toilettes? Bah voyons. Après, des règnes peuvent être très longs, mais éternels, non. Voilà, toilette propre. Ça, on récupère. On va mettre de l'eau un petit peu partout. La nuit, c'est fait vraiment pour remettre un petit peu tout ce qu'il faut là où il faut. Voilà. La vaisselle, ça se fait, c'est ok. On va refaire un petit peu de bois. Va falloir refaire, je pense, un petit peu des steaks et de la soupe. Sachant que c'est en plus ça qu'il faut... qu'il nous faut vendre. Bah, a priori, du coup, pour la référence potentiellement à Dark Souls, mais là, je connais pas Dark Souls, donc je peux pas dire si c'est vraiment une référence à Dark Souls. En tout cas, la référence pour vous, on l'a bien comprise, on l'a bien vue, ça, il y avait pas de problème. Mais ouais, du coup, la petite ref à Dark Souls, je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas ce qu'on pourrait récupérer. Ok, là-dessus, on est ok. Quoique non, on n'est pas ok, en vrai. On a carrément de la place ici. Voilà, on va poser tout ça. Est-ce que je peux pas en refaire? J'ai pas assez de vaisselle. Dommage! Niveau du vin. Je pense qu'il faut qu'on en refasse, quoi. Il faut refaire du vin. Préparons du vin d'avance. En vrai, ça va, la petite musique quand même de l'auberge est sympa. Mais moi, je trouve que ça manque vraiment d'engager un orchestre. Je veux engager un orchestre. La base. Je veux engager un orchestre dans ma taverne. Je veux des troubadours. J'ai plus de vaisselle. Eh ben, il n'y a plus de vaisselle nulle part. Bonsoir, Monseigneur Xena. Comment allez-vous en cette douce nuit? Bon appétit. C'est la petite fringale de 5h du matin, tout va bien. Que si il joue la musique dont j'ai mis les paroles. Ben malheureusement, on n'a pas du tout de gens qui veulent faire de la musique. Ça c'est triste. Mais elle a refait des steaks, elle. On va peut-être refaire aussi de la soupe. Hein. Ouais. On va se refaire... En vrai, ça va, la soupe et les steaks, ça se vend plutôt rapidement. Parce que j'aimerais vraiment qu'on améliore là, un petit peu notre taverne au niveau supérieur. Je veux voir ce que ça va donner, là. Encore, on a encore quelques niveaux à mettre. Je veux voir un petit peu ce que ça va donner. Attendez, je suis concentrée. Alors, elle est un peu triste, mais très belle. On veut l'étage. Un étage, ouais, ça serait bien. Ouais. Après, sinon, il y a toujours la musique des cookies. Il y a toujours la musique des cookies. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau de la soundbox qui est en dessous, là où il y a les orages et tout ça, il y a aussi une petite musique qui s'est ajoutée. Voilà, je dis ça, je dis rien. Perfect. J'ai pas assez de place sur mon petit plateau. Pas assez de place sur mon bateau. Oups, il est pas content, il est arrivé direct, pas content. Qu'est-ce que c'est quoi ton problème? Oups, tu veux qu'on en parle? Alors, j'ai bien le steak, mais j'ai pas la bière. Elle croyait que c'était un chat.
un compagnon aux griffes délicates. Mais ce n'était pas un félin, c'était un dragon tout petit et câlin. Voilà. Merci bien, Xena. Pour la musique. Quoi, déjà fini? Déjà fini, vous voyez qu'il faudrait que je la mette un peu plus long. S'il faut, je peux modifier. Hein, si vous trouvez que c'est pas assez long. Je peux potentiellement modifier. J'aimerais bien faire prendre toutes les soupes. Oui, 10 minutes. Non, 10 minutes, c'est peut-être un peu long, par contre. Faut pas exagérer non plus. Faut un juste milieu. Bon appétit! Dame Pagis. C'est qui rôde comme ça? Vous avez entendu ça? Ouais, un peu courte. On veut l'entendre en entier. Non, mais en entier, c'est un peu long quand même. En entier, elle va être un petit peu longue. Et je vais voir à la mettre plus longue si vraiment vous trouvez qu'elle est trop courte. Parce que je suis super gentille, hein, n'oubliez pas. Xanax, tu veux un steak? Et j'ai pas de steak sur moi. Désolée, j'essaye de finir mes soupes. Pour relancer une fournée de soupe, parce qu'on n'a jamais trop de soupe. Du coup, j'essaye d'utiliser toute la soupe. Du coup, j'ai plein de soupe. Refaisons une petite... Ouais, doucement, ça va vite, eh. Tac, tac. Mmh, la bonne petite soupe de légumes. Qui veut goûter ma bonne petite souplette? La bonne petite souplette. Perfect, bien évidemment, la petite souplette. Voilà, voilà. Ouh, il y a une grosse table là. Hop. Voilà, prenez de la soupe. Ah, il me manque juste une soupe à servir. Oups, prends ma soupe. Vous êtes nombreux là. Toi et tes copains, vous allez bien prendre de la soupe. Trois soupes. Et voilà, ça c'est fait. Augmentez votre réputation. Augmentez votre... Ah non, c'est bon, achetez un nouveau niveau de taverne. Ah non, mais il m'a fait peur avec ma réputation. C'est bon, on peut enfin améliorer la taverne. Youpi! C'est moi ou l'arrière, c'est genre... énormément agrandi. Mission énorme. Oh, regardez, on voit que ma richesse commence à arriver à ma chambre. Ma chambre se développe, hein. Alors, je crois que c'est la partie des nobles, non, qui s'est agrandie. Oh, regarde. Oh, d'accord. Oula. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, effectivement, ça s'est bien agrandi. Eh, coucou, Yves. J'espère que je prononce bien. Bienvenue à toi. Et il faut que je refasse toute cette partie, du coup. Il va falloir tout réaménager ici. Mais c'est trop bien. La zone est super grande. On va voir si je pense que je peux me acheter des nouvelles tables de nobles du coup. Par contre, pour les gueux, ça a pas du tout changé. Ça s'est pas agrandi. Je suis pas sûre qu'on va avoir un étage quand même. D'ailleurs. Livraison du coup, les meubles. Meubles de nobles. On va tout acheter. Meubles en fer. Pareil, j'achète. On va tout prendre en vrai. Meubles simples. On achète tout. Par contre, au niveau des améliorations. Tonneau à vin, niveau 2, plus de vaisselle. C'est parti. L'entrepôt, on l'agrandit. C'est parti. L'étagère à fromage, c'est agrandi. Voilà. Ça, c'est déjà fait. On est riche. On est riche.
Ouais, par contre, vraiment, la partie des nobles, c'est énormément agrandi. Il me faut des steaks pour la 15. Excusez-moi, monsieur, dame. Hop. Voilà, il manque des saucisses. Il manque des saucisses à la 15. Plus vite. Il s'impatiente à la 15. Il s'impatiente. Voilà, régalez-vous, monsieur, dame. Taverne est sale. Oh, la taverne est sale. Ça va, et calmez-vous. Faut que je refasse toute ma partie noble. Je peux commander d'ailleurs plus de choses parce que j'ai plus de place. Donc, livraison, ressources. Je peux pas encore. On voit les effets du capitalisme. Oh, mais non. Tout de suite. Tout de suite, les grands mots. Du coup, ça, on va ranger. Alors, dans les nobles. Table pour 2, table pour 4. Déjà, on a une superbe table pour 4. Je pense qu'on va venir la mettre... ça, c'est une autre table pour 4, hein, on est d'accord. Ah mais non, mais il me pique ma table, c'est ça? Ah non, c'est bon, c'est juste que j'avais le plateau dans les mains. Du coup, deuxième table pour 4. Au niveau de la deuxième fenêtre. Oh, mais vous en voulez des choses. J'ai rien pour vous. Excusez-moi, je suis occupée, je n'ai rien pour vous. Est-ce qu'on peut mettre une petite table pour 1 à la limite entre les deux, vous voyez, comme ça. Ça le fait, non? Carrément que ça le fait. Coucou, pauvre petite fée exploitée. Mais non, elles sont pas exploitées. Mais non, tout de suite les grands mots. Exploitées. Qu'est-ce donc que ces vilains mots? Mangez votre soupe, va. D'ailleurs, il n'y a plus d'eau pour la vaisselle, là. S'il n'y a plus d'eau pour la vaisselle, ça va plus travailler. Hop. Que je vous raconte, elles sont totalement d'accord de travailler, les fées. Exploitation, maintenant. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est comme si j'exploitais les fées. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre, ici? Sérieusement, vous attendez quoi, là, comme table? Une table pour 4? Ouais, bah oui, mais deux tables... Mais j'ai pas d'autre table pour 4, hein, moi je peux pas faire mieux. Hein. J'ai des tables pour 2. J'ai pas d'autre table pour 4. Voilà, venez vous installer. Non, il n'y a plus de fromage. Non, faut que je commande, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien! C'est pas ici qu'on commande. Révolution. Fais pas l'innocente avec nous, on a tout vu. J'ai loupé un truc. Ah bah non, pas spécialement. C'est juste que je sais pas ce qui s'est passé d'un coup. On dit que j'exploite mes fées alors que pas du tout. C'est absolument pas le cas. Elles sont nourries, logées et tout ce qu'il faut. Pourquoi ça a changé la taverne? Parce qu'on l'a améliorée, on l'a agrandie. Et maintenant on peut accueillir plus de nobles. Toujours plus de nobles. On a également agrandi l'entrepôt, donc on peut acheter plus de nourriture pour les fées. Comme ça, elles vont être contentes, elles vont pouvoir plein de manger. Tout le monde, il est content. Mais apparemment, il y a des gens, ils sont pas contents. Je sais pas pourquoi.
Ah, j'ai tout bien fait, je fais ça bien, je sers les gens, je m'occupe bien de mes fées. Mia, elle travaille aussi un petit peu, mais pas trop. Bah voilà quoi, la taverne est sale, et ça c'est pas cool. Voilà, je passe le balai, je récupère les bourses perdues. Bien évidemment, je les garde. Mais ils ont de la nourriture pour 20 ans, vous inquiétez pas. De toute façon, les fées, vous savez, elles sont pas trop du genre à se laisser exploiter, hein. Si elles sont pas contentes, elles arrêtent de travailler. Mia, elle a le droit à des cookies. Bah, bien sûr que Mia a le droit à des cookies. Tout le monde a le droit aux cookies. Les cookies, c'est la vie. Regardez, elles sont nourries. Ok? Elles sont parfaitement bien nourries. Voilà. Tout le monde est nourri. Tout le monde va bien, il n'y a aucun problème. Ah. Oh. Tout de suite, les grands mots d'exploitation. Il faut pas entendre, hein. Pam, pam, pam. Par contre, je vais pas mettre du bois, mais à part ça, tout va bien. Je crois d'ailleurs qu'il reste un paquet de bois que j'avais laissé au sol. Éventuellement, qui pouvait servir. Ok, ça c'est pour que la cuisine elle, se fasse. J'ai une petite coupette de vin que je peux servir. Fromage, vin. Ok, on est d'accord. Tout va très bien. Du coup, ce qu'on va faire. Oh, cookies! Merci pour les cookies! Les tables de deux, on va les déplacer. On va les mettre de l'autre côté. Ça m'a l'air d'être pas mal. Évidemment, le machin, il est tombé. Bah alors, tu veux pas me la poser? Le combat? Je crois que j'ai ma table qui est buggée, quoi. Hein? Oh non, je suis buggée avec la table. Je peux pas poser la table? Je suis buggée avec la table, je peux pas la poser? Oh non! Ah, ça c'est moche. Chapeau, t'es chaché. Dans ces lives enchantés, la magie grandit. Et y a des bugs sur le jeu, mais faut pas le dire. Princesse pour l'éternité. Miaou, miaou, miaou. Je vais essayer de dormir. Oui, je veux dormir. Je veux dormir, je veux me débugger, s'il vous plaît. Y'a moyen de se débugger? Je suis buggée! Au secours! Au secours, aidez-moi! Faudrait que vous quittiez la taverne, s'il vous plaît, monsieur, dame, pour que je puisse me débugger. J'ai rien fait en plus, je voulais juste... Ça, c'est pas mal. Ça, c'est comme ça qu'on fait de la bière. Moi, je voulais juste déplacer une table à la base. Elle trimballe sa table partout. Je suis tellement buggée avec la table. Ça, c'est beau. Je peux pas la ranger, je peux pas la poser. Je peux rien faire. Oh là là. Faut envoyer les bières, là. On voit plus rien. Et la taverne, elle est pleine, en plus.
Ça va encore de la bière? On fait ça à l'aveugle. Elle veut faire un pique-nique dehors avec sa table. Ouais, pourquoi je peux pas mettre des tables dehors? Je pourrais faire une petite terrasse, hein. Elle est où ma terrasse? Non, faut vraiment que les gens y sortent, histoire que je puisse aller dormir. Peut-être que ça me débuggera. S'il vous plaît, tout le monde, veuillez quitter les lieux. S'il vous plaît. J'ai un petit souci de table. Voulez-vous bien vous barrer? Tout le monde dehors, on ferme. Problème technique. En espérant que dormir, ça va régler le bug, parce que sinon je vais être obligée de déco. Et si je suis dans l'obligation de me déco, bah vous serez dans l'obligation. Faut évidemment qu'il y ait en plus une poivrotte là. Et bah de vous reconnecter quoi. Dehors toi, avec ma table. Tout le monde dehors. Je peux passer un coup de balai là avec ma table? Voilà, on peut passer le petit coup de balai avec la table, y a pas de problème. Tout le monde est sorti, c'est bon, je peux aller dormir? Dites-moi que je peux dormir. Il y a moins de visiteurs. Mais elle est fermée dans ma taverne, c'est bon, il est 23h, elle est fermée, il n'y a plus personne. Il y a encore des gens. Il y a encore des gens ou c'est bon? Il y a les fées qui travaillent, mais c'est bon, il n'y a plus personne. Je suis sûre, il y a encore... Là, il y avait une table de nobles. Ouais, ils sont pas encore partis, eux. Dehors! Dehors! Laissez-moi me débugger! Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va me débugger? Et non! Et non, je suis obligée de déco. Désolée, va falloir vous reconnecter, mais là... En espérant que... En espérant que de quitter, ça va quand même me débugger. Parce que même si comme ça, je suis toujours bugué, ça va être problématique. Il y a une table qui se balade, mais ça va. Ça va, aucun problème. La table de l'amour. Alors la table, elle est... Hop, par contre, faut faire pop, pop, pop. On se reconnecte là-dessus. Voilà. Vous allez pouvoir refaire à LE pour vous reconnecter. Ok. Ok. Dites-moi que j'ai plus la table. Ah mais attendez que je sois dans le jeu quand même. Elle s'est posée. Est-ce que je peux la ranger? C'est bon. C'est bon, on est débugué. Ouf. Bipi pourra. Allez, venez, venez, venez. C'est bon. C'est les aléas du direct. C'est les aléas des bugs. Tout va bien. Tout va bien. Du coup, ça a posé la table à un endroit où je pouvais même pas la poser en vrai. Mais tout va très bien. Oh, les nobles aussi, ils laissent les sous. Waouh. L'expression, c'est mettre... du pain sur la table, pas mettre la table sur le pain. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, dites-moi que ça va pas rebugger, que je peux poser cette table convenablement. On n'aura pas de problème. Voilà. C'est mieux quand ça fonctionne quand même. C'est clairement mieux quand ça fonctionne. On va remettre la petite table. Pareil comme ça entre les deux. Voilà, ça rend quand même quelque chose de pas mal. Miaou! Mais je pense que c'est à cause de ça que ça a bugué en vrai. Je suis quasiment sûre qu'en vrai la déco, ça l'a totalement fait bugger. Je pense, hein. Bon, reprenons un petit peu là où on en était. Parce que là, tout ça, ça nous a bien perturbé. On va pas se mentir. Du coup, bah...
Ah non, mais il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus rien. Je ne peux pas donner à manger aux fées s'il n'y a plus de manger pour les fées. Allez, un peu de concentration. On s'y remet. C'est quoi ce verre? C'était le Graal? Bah, je crois, ouais, que c'était le Graal. À pouvoir avoir fait bugger le jeu comme ça, c'était le Graal, c'est sûr. Non, en vrai, c'était juste de la déco. C'était une coupe. C'était pour la déco, mais... C'était posé sur la table. J'ai récupéré la coupe. Enfin, j'ai récupéré la table avec la coupe qui était encore posée dessus. Et du coup, bah, ça a tout fait bugger. Le jeu, il a dit... problème. Oups. Il a dit, oups, problème. C'est bon, problème résolu, vous inquiétez pas. Tout va pour le mieux. On gère. On va refaire des stocks. On va continuer d'améliorer notre taverne encore et toujours. Parce qu'après tout, nous sommes des professionnels. On va mettre tout plein de fromage ici. Ouais. Comme ça, je vais recommander tout plein de fromage. Ouais, j'aurais pu mettre un petit peu des coupettes aussi. Tant pis. Allez, on va recommander. On va faire un petit peu de ménage, tout ça, tout ça. Ça va bien se passer. C'est vrai que je regarde d'ailleurs s'il n'y a pas d'autres items qui brillent, là, comme la petite lettre qu'on a eue. Ok, là, à manger pour les fées. On va en prendre, je pense, une bonne vingtaine parce qu'ils commencent à bien manger les fées. Une petite dizaine de steaks, une petite dizaine de légumes. Pareil pour les saucisses. Je pense une bonne quinzaine de fromages. Quant au vin et à la bière, c'est des choses qui partent très vite. Parce que c'était ton projet aussi. Ah bon? Ah bon? C'était mon projet? Une bière urgente pour Monsieur Pagis! Attention, Pagis, il a soif, il veut boire tout de suite! Finir la vaisselle. Oh, la vaisselle, la vaisselle, la vaisselle! Ouais, attention, je suis devant, hé! Barbare! Vous avez vu comment il a essayé de me tuer? Ça se fait pas de tuer la tavernière! Il y a beaucoup de vaisselle. Je vais te leur faire un peu de vaisselle. Il a essayé de tuer la tavernière. Vous l'avez vu, non? C'est un assassin! C'est un assassin. C'est tout, je fais la vaisselle, moi. Je suis bien, là. C'est calme, c'est reposant de faire la vaisselle. On est tranquille. On réfléchit à rien. On laisse les fées gérer. Il n'y a plus d'eau. Du coup, on va rechercher de l'eau. Et on se dit... la vie est dure. On se dit vraiment... Vraiment que la vie est compliquée. Mais... Ça vaut le coup et puis on continue la vaisselle. Voilà. Parce qu'on est bien là, faire notre petite vaisselle. C'est ok. Bon, on va laisser les fées faire la vaisselle un peu. Papapam, papapam, papapam. Encore? Mais vous êtes sérieux? J'ai pas un milliard de tables. Ouais, il y a trop de nobles. Je peux vraiment pas racheter une table de plus là chez les nobles. Je crois que j'ai tout acheté en termes de... On a la sorcière qui est là. Oula. Oula la 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 la. Excusez-moi, Lady. Elle veut pas me parler en plus. La dame de la cour. Qu'est-ce qu'il fait là, toi? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Dehors. Oh là là. Vous pourriez arrêter de tout salir?
Pas de soupe? Une soupe ici? En vrai, en vrai, les mecs, commence à y avoir du monde quand même dans cette taverne. Hein. On va pas se mentir que... J'ai l'impression de beaucoup courir et j'aimerais bien finir de l'améliorer cette taverne. Je veux l'améliorer à fond. Je veux que ce soit la taverne du siècle. Moi, je veux que le roi arrive à la taverne. Je veux les chevaliers de la table ronde à la taverne. C'est du prestige. On veut du prestige. Déjà, on a la sorcière de la cour. Ça, c'est prestige. Coucou Terence, comment ça va? C'est gentil, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux nous parler? J'apprécie la propreté, la qualité des aliments et la vitesse. Je suis horrifiée par ce trou. Comment ça, t'es horrifiée par ce trou? Ça veut dire quoi, ça? Je crois la dame, elle cherche les embrouilles. Je crois à la dame, elle veut que je la tape. Hein. Je m'en fous que ce soit la sorcière de la cour. Je m'en fiche. Si madame me cherche, madame va me trouver. Non mais oh. Je parle pas comme ça, moi. Elle veut jouer ça où, elle? Plus de place sur le plateau. Faut de l'eau pour la vaisselle. Excusez-moi madame, vous avez perdu une bourse. On va pas le dire. La sorcière de la cour, on va là. Fort de violence. Mais je peux comprendre autant de violence parce que là vraiment... Elle me cherche, la dame. On va la taper. On va la taper. Ma taverne, elle est exceptionnelle. Anna! J'ai lâché le seau d'eau. Ah, mais il y a encore de la soupe. Oh, c'est pas moi qui l'ai faite, cette soupe. Bon, c'est pas très grave, hein, mais... J'aurais préféré la faire moi, mais bon, c'est pas grave. Ça le fait aussi, si c'est les fées qui le font. On commence à être à court de bois. Je vais refaire des steaks, moi. Taper. Ouais, Xena, on va la taper. On va la taper. C'est honteux tout ça. Bon après j'en conviens que elle c'est du prestige mais c'est pas une raison pour être désagréable comme ça. Elle croit quoi? C'est difficile le boulot de tavernière. Hein. Je suis sûre elle est peinard dans son labo là, elle fait rien. Fait rien de ses journées. Deux, trois potions et puis c'est fini. C'est un sort de temps à autre. C'est parce que c'est elle le vrai travail. Tout ça parce que c'est faire un peu de magie. Plus de vaisselle. Hop, 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 hop. Allez, on envoie, on envoie. Ouais, calmez-vous. C'est qui me met le bordel, là? C'est qui me fout le bordel, là, que je le tape? C'est toi, le pouilleux? Honteux, encore, cette histoire. Honteux, 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 honteux.
Il n'y a plus d'eau pour la vaisselle. Ah, il y a trop de vaisselle. Et la taverne commence à être toute crade. Faut faire le ménage. Les toilettes sont sales. Il y a tout qui est sale. Il y a tout qui pue. La taverne est pue. C'est la vie, la vie est pue. Ici, les clients disent que la viande est mal cuite. On leur envoie le dragon. Ouais. On envoie Mia. S'il y en a un qui se plaint, on lui envoie Mia. Non mais toi, toi, tu vas aller dormir dans le champ. Tiens, tu vas aller dormir avec l'épouvantail. Tiens, l'alcoolique, dors avec l'épouvantail. Il tiendra compagnie. Pam, palapapa. La taverne est vraiment toute sale, mais genre vraiment très sale. Ça, c'est cool. Je pense qu'on va fermer un petit peu la taverne. Il y a du monde qui est... Ouais. Excusez-moi, cette nuit, la taverne sera fermée. La taverne a besoin d'un bon coup de ménage. Ah bah oui, bah en même temps, ça vomit et tout. D'accord, je vois, vous êtes comme ça. Ça vomit, ça met le bordel, je vois. Je vois. Même les nobles y mettent le bordel. Eh ben bravo, bravo. Vous marchez dans la boue, les nobles. Ça veut du fromage en plus. Lève là votre fromage! Ah, yeah, ça veut plein de trucs en fait. Ça veut pas que du fromage? Ça veut pas que du fromage! Ouais, je pense qu'il faut se prendre un petit peu une journée de fermeture. Refaire les stocks, se remettre bien partout, faire bien le ménage. Je pense qu'en vrai, ça fera clairement pas de mal parce que là, c'est. Là, je crois que vraiment, la taverne, elle est... pas très très bonita. Je pense qu'on a connu des jours meilleurs. Il faut, faudrait remettre plus de tables chez les nobles. Voilà, ça travaille dur, c'est bien, c'est bien. Je suis très fière de ma petite fée, en tout cas. Elle travaille très très bien. Travail dur et... Et ça, j'apprécie grandement. On apprécie leur dur labeur. Elles sont efficaces. Elles font du bon travail. Et vraiment, ça fait plaisir à voir. Voilà, vraiment, on fait le stock. Et on vide en même temps les stocks, comme ça. Les petites fées, elles seront tranquilles. Elles auront vraiment tout ce dont elles ont besoin. Parfait. On a encore des clients qui sont là. Niveau mobilier, du coup, ici, il nous reste quoi? Il nous reste des tables pour deux, on en a deux. Donc on va en mettre une... au niveau de la fenêtre qui est ici. Voilà. Au revoir, Dame Xena. À très bientôt. Passez une bonne nuit. Et là, du coup, on va mettre les deux dernières tables d'une personne. On va en mettre une. Comme ça. Et la petite dernière, il faudrait la mettre au niveau de la fenêtre. Donc je pense qu'on va le mettre. Dans ce sens-là, ça me paraît pas mal. Voilà, la salle des nobles. Elle est OK.
Le ménage, normalement, il est à peu près fait. On est OK. Niveau 20 et tout, je peux en refaire. On va en refaire. On fait vraiment le max. La nuit sera courte. On a une sorcière à aller tuer. Ouais! Vengeance! Tapez! Ah bah voilà, en plus, elle me fait des bêtises, la sorcière. C'est entièrement de sa faute. On notera que ce qui vient de se passer, c'est entièrement de sa faute. Mais il y a encore des gens qui sont là et qui n'ont pas mangé. Parce qu'il n'y a plus de soupe. Il n'y a plus de soupe. Les gens ont faim. Coucou Monsieur Carrick, comment ça va? On fait la soupe, la petite souplette, la bonne soupe de légumes bien frais. La bonne sous-soupe. On remue, hop. Bien comme il faut, voilà. La bonne sous-soupe. La bonne sous-soupe. Voilà, monsieur, dame. Et trois bonnes sous-soupes ici. Parfait. Pour faire de la bière. Mieux, même si je n'ai pas encore retrouvé ma voix. Ah. Bah après, si ça va mieux, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien, ça va mieux. Allez, nous, on prépare les bières. On va avoir les steaks et les soupes aussi à faire. En vrai, ce qu'on va faire aussi, c'est que... Non, c'est OK, il y a de l'eau encore. Je lui remettrai plus d'eau pour demain, ça c'est sûr. Histoire qu'elle soit vraiment full eau pour pouvoir bien faire toute la vaisselle. On va leur donner à manger aussi aux fées après. Oui, je tousse beaucoup moins, donc c'est un grand pas. Ouais, c'est déjà bien, c'est ça va mieux, faut être patient et puis ça va aller mieux petit à petit. Déjà, ça va mieux, c'est quand même une très bonne chose, on va dire. Que le plus dur est passé. Ça, c'est déjà pas mal. Ça a fait des steaks sans motorisation, ça. C'est pas grave, c'est pas des steaks incroyables, mais bon, ça reste... Ça va rester quand même des bons steaks. Hop. On va faire de l'eau. On va mettre de l'eau dans le lave-vaisselle, ici. On va mettre de l'eau pour là. Viens là. Arrête de bouger la manivelle. Voilà la soupe. Voilà. On va aller couper du bois. Parti. Déjà, tu prends la peine de jeter tes alcooliques jusque dans le champ du voisin, c'est beau. Hey. Ah bah oui, hein. Je vais pas les laisser devant la porte de la taverne, ça fait pas propre, hein. Ça fait pas sérieux. Je peux pas les laisser devant la porte. À la limite, ça serait la porte de derrière, ça irait déjà, ça serait plus discret, mais quand même. Après, je risque de me prendre les pieds dedans. Donc, c'est pas terrible. Non, les alcooliques, ça se jette moins, ça. Un tavernier de seconde catégorie se serait contenté de la mangeoire des chevaux. Ah, on n'a pas de mangeoire pour les chevaux. Il n'y a pas de chevaux. Enfin, à part le cheval du... Du marchand, là, mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas de chevaux. Tout le monde, il se balade à pied. Il n'y a personne qui a des chevaux. Les mecs, ils n'ont pas de chevaux.
Je réalise là d'un coup. Mais ouais. Sont où les chevaux? On veut des chevaux. Parom parom. Eh ben ça refait de la soupe. En vrai, c'est vrai que ça m'embête un petit peu qu'ils aient tout refait, mais c'est pas grave. Même si c'est du bon, que c'est pas de l'excellence, ce sera déjà pas mal. Hein. Ouais, je vais prendre aussi quelques saucissons. Quelques steaks. Je prends un petit peu de tout sur mon petit plateau. Histoire de pouvoir servir un petit peu de tout. Il y a des chevaux, tu crois que c'est quoi comme viande que tu vends? Ah, j'avoue, hein, c'est peut-être de la viande de cheval, je sais pas. En tout cas, le marchand, il vient avec sa petite charrette, il est à cheval. Enfin, sa charrette est tirée par un cheval. Alors, livraison. Alors, il n'y a plus de bière. On va en reprendre au moins 25. Le vin. Ouais, une bonne dizaine, ça on est à peu près ok. Les saucisses. La souplette. Viande de loup. Ah, peut-être. J'avoue que je ne sais pas quelle est la viande que je vends.